Mon conférence, j'organise là. Où est le problème dans... Bon, ce n'est plus conférence. Bienvenue dans votre émission 3 minutes pour le buzz sur Son Excellence TV. Avant de continuer, aime, commente et partage mes vidéos. Et surtout, abonne-toi à ma page YouTube et Facebook. Bientôt le 31 décembre. Alors, dis-nous, on fera quoi? Le 31 décembre, nous allons manger l'argent fort. Chaque jour, on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers, de nouveaux buzz, tout ça là, à cause de l'argent. Alors, on se pose la question de savoir... L'argent, d'où viens-tu? Togbe, quelle est la loi de Son Excellence TV? Il n'a qu'à donner ce qu'il y a pour le César, à le César. Il n'a qu'à donner ce qu'il y a pour le Dian, à le Dian. Mon invité du jour, c'est Apoutchou National. Alors, Apoutchou National, parle-nous de ta conférence. Donc, mon conférence, j'organise là. Où est le problème dans... Bon, ce n'est plus conférence. Je vais appeler ça retrouvaille. Ou bien manger classique. Et c'est... Oui. Continue. Qu'est-ce qui se passe? J'organise une conférence le 17 février. Ça va s'appeler homme porte ton jean, femme porte ton foulard. C'est de ça qu'il s'agit. Quel est le but de ta conférence? La conférence que je vais organiser, c'est dans le but de parler aux femmes et aux hommes. Je dis aux hommes, porte ton jean, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui portent maintenant les robes. Hein? Donc, comme il y a beaucoup d'hommes soumoulés dans ce pays-là, c'est pour profiter maintenant pour dire aux hommes, porte ton jean. Et la femme attache ton foulard. Parce que nos femmes aujourd'hui ne veulent plus porter foulard. Or, avant, au temps de Jésus, Dieu même disait aux femmes de cacher les cheveux. Moi, ma conférence de ces 17-là, j'ai besoin même d'un sponsor. J'ai besoin de quelqu'un qui va venir me suivre. Mes choses où? Mes choses. Ah, Poutou, français là. Hein. Maudia. J'ai bien quelqu'un qui va venir me subventionner. Comment on appelle ça même là? Me donner l'argent. Me subventionner quelque chose là. J'ai bien quelqu'un qui va venir me subventionner. Voilà. Là. Hein? Non. L'entrée c'est à combien? L'entrée c'est à 50 euros. C'est tous. J'ai fait mon budget de la conférence, c'est 67 000 euros. Le budget de ma conférence est estimé à 67 000 euros. Nous allons faire ça dans une salle de 5000 places. C'est de ça qu'il s'agit. Donc imaginez, on va vendre les tickets à 50 euros. 50 euros fois 5000 places. Ça fait combien? Attends, j'ai calculé. Voyez-moi. Ici, un illettré. 50 fois 5000. Ça fait 50 000 euros. Attends. Depuis quand 5 fois 5 devient 50? Refais le calcul. Tu dis quoi? 50 euros fois 5000. Avec bien 5000 euros. Alors, quel est le message que tu adresses à tes fans? Voilà, dans la famille, c'était juste un petit mouvement. Voilà, ne vous inquiétez pas. Hein. Je ne fais aucune conférence. C'est quoi ça? C'est pour juste m'amuser. Voilà, c'est pour juste m'amuser. Je ne fais aucune conférence. Moi-même, ici, un zézé. Moi, si je t'avais quelque chose, peut-être c'est pour me réunir avec mes abonnés. À venir à manger ensemble. Conférence là, qu'est-ce que j'allais dire là-bas? Moi, ici, un zézé, je ne suis pas allé loin à l'école, ici, un attardé mental. Qu'est-ce que vous allez retenir? Maman ne me connaît pas, mon papa ne me connaît pas. Personne ne me connaît sur la terre. C'est tous. Avant de passer à l'interrogation, mettez la danse, s'il vous plaît. L'interrogation d'aujourd'hui consiste à conjuguer le verbe mourir au présent de l'indicatif. Tu peux commencer. Ok, je meurs. Mm-hmm. Tu meurs. Il meurt. Nous mourions. Vous mourriez et où un meurt. Jésus. Oh Seigneur. Ressaisissez-vous. 0 sur 1. Le second. Tu mourras. Quoi? Tu mourras. Oui. Continue. Tu mourras. Nous mourrons. Ah. Vous mourrez. Il ou elle mourrait. Ah. 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 Ah.